En début de soirée, un policier a ouvert le feu contre plusieurs personnes dans un quartier pavillonnaire de Sarcelles avant de se donner la mort. Les voisins ont été alertés par des coups de feu et ont appelé le 17.1 Drame C'est nous et ce samedi soir, à Sarcelles, Val d'Oise. Aux environs de 20h45, rue du Bocage, une zone pavillonnaire à 100 mètres de l'hôtel de ville. Un policier a tué au moins 3 personnes, vraisemblablement avec son arme de service, avant de se donner la mort. Il a aussi blessé 3 personnes, dont 2 se trouvaient ce samedi vers minuit en urgence absolue. Selon nos informations, l'ex-compagne du tireur, âgée de 25 ans, ferait partie des blessés. Les forces de l'ordre, qui sont rapidement intervenues sur les lieux, ont d'abord découvert un homme mort dans une voiture, à proximité du lieu où les coups de feu avaient été signalés. Elles sont ensuite tombées sur 2 autres personnes, l'une décédée et l'autre grièvement blessée. Dans un pavillon, un troisième cadavre a été retrouvé, celui du beau-père du tireur. La belle-mère a, quant à elle, été grièvement blessée. Le gardien de la paix à l'origine du carnage s'est quant à lui suicidé dans le jardin du pavillon, aux côtés de son chien, également retrouvé mort. Selon nos informations, le fonctionnaire appartenait à la compagnie de sécurisation et d'intervention de la préfecture de police de Paris. Un différend avec sa compagne pourrait être à l'origine du drame. À 1h du matin, la rue où a eu lieu le drame était toujours bouclée par les policiers.